C'est l'histoire de l'eau du bus. Oui, Bérémy. Que Chuchounet m'a demandé d'enregistrer sur son petit enregistreur. Alors. Et moi. Attends. Ouais. Tu jettes toutes les poubelles dans le bus. Qui? Papa. Méga. Méga, tu jettes les poubelles dans le bus. À toi, Bérémy. Alors, je vais quand même raconter l'histoire dans l'ordre, hein. C'est l'histoire du bus de l'école qui se transforme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bus, il va chercher... Avec une voix basse de bus, très grave. Oh là, là, le bus va chercher tous les enfants à l'école. Et voilà qu'en quittant l'école, il se trompe de trajet et rentre à Walibi. Alors, le chauffeur Saïd ne sait plus du tout où il est. Et il se trompe, il tourne à droite. Et voilà qu'il commence à monter des montagnes russes. Alors, le petit chien courage et tout le monde commence à avoir la trouille. Et tout le monde commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'il fait, Saïd? Loulou qui essayait de dire qu'il aimait bien le chiffre 3 mais qu'il aimait pas le chiffre 1. Il dit j'aime bien le chiffre 5. Et que tout le monde rentre sur Loulou. À papa. Parce que le bus dévale les montagnes russes. Il se flash, tout le monde est mouillé dans ce bus. Alors ça y est, Jordi, ils se pas la tête. Péter la gueule, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que c'est que ce bus plein d'eau ici? Moi j'en ai ras le bol et je vais casser la gueule et tout le bazar. Alors, le mouton, le papa mouton, lui, il a la trouille parce qu'il est tout mouillé. Comment il fait le papa mouton? Le papa mouton, il a la trouille, le papa mouton. Et alors, qu'est-ce qui se passe encore? Méga! Elle a peur. Mais voilà déjà que le bus complètement fou. David, qui n'arrêtait pas de crier, il est où? David, allez David. Il est où? Vas-y. Il est où? Alors David, il criait. Il est où? Et tout le monde était paniqué, il y avait déjà plein d'eau dans ce bus. Et voilà que soudain, le bus commence à se prendre pour le ferrailleur. Vieux poil, vieille machine à laver, allez, allez, profitez-en. Et du coup, tout le monde commence à jeter dans le bus d'une machine à laver, un vieux poil, puis tout le monde fout la bouche de mon pauvre bébé. Et puis alors Elisabeth, c'est moi Elisabeth qui chante le bus. Alors Elisabeth qui chantait le bus, le bus. Non, c'est moi Elisabeth, c'est du rock qui fait. Papa, le bus. Et papa. Elle reçoit une vieille voiture, une vieille bagnole sur sa figure. Elle s'en fait. Alors, il y a encore. Jordi qui dit je veux péter la gueule. Et à ce moment-là, il reçoit un radiateur sur la gueule. Elle s'en fait péter la foule. Et Bruno. Bruno, lui, qu'est-ce qu'il sort, Bruno? Moi. Ouais. A vu poil sur la tête. Et Bruno reçoit un vieux tartine. Ah oui, excusez-moi. La percussion. Et du coup, le bus est complètement plein de vieux poils, de morceaux de fer et de haut et tout le bazar. À moi. Oui, vas-y. Et le loup qui essayait de mettre trois fois le dans la bouche. Ouais. Du coup, quand il met 3 gants dans la bouche, il a plein d'eau dans la bouche. Il a même pas le temps de dire 1, 2, 3. Il a même pas le temps de dire 1, 2, 3. 1, 2. Et il ressort plein d'eau dans la bouche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, le problème, c'est que le bus, lui, c'est déjà fini. Il se prend plus pour un ferrailleur. Il se prend pour le marchand de soupe. Non, d'abord pour le camion poubelle. Pour le camion poubelle. Et du coup, tout le monde a commencé à jeter ses vieilles poubelles dans le bus. Et chouah, une grosse poubelle sur la tête de Loulou. Méga écrasé par une poubelle, commence à pleurer. Et qui c'est encore dans notre histoire? Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle fait, Zabit Bolland? Voilà que le bus se transforme en accélérateur. Zabit qui passait disait pauvre petit bonhomme. Le bus se transforme en aspirateur maintenant.
Et Zabédi Belan, qui passait par là, se disait « Oh, le joli papa !» Et la voilà aspirée dans le bus. Alors, il y a Monsieur Joseph qui venait accueillir tous les enfants à l'école, qui dit « Bonjour les enfants !» Et voilà Monsieur Joseph qui aspirait aussi dans le bus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il y a encore dans notre histoire? Il y a Méga. Méga, alors Méga, elle se promenait. Et puis, elle passe par là. Et voilà que Méga aussi est aspirée. Fouah, elle tourne dans le bus sous la tête de Jérôme. Il essaie de se poursuivre. Hein? Il se poursuit. Qui se poursuit? Tout le monde, il se poursuit des muses aussi. Et poursuivre Jérôme. Ah oui, alors il y a des muses aussi. Alors, le bus, ça, c'est très difficile, c'est des muses. Et il y a Mathieu Bellamy qui tape sur sa batterie et boum, tchac, tchac, boum, tchac. Et voilà que News est aspiré, que la batterie tombe sur la gueule de sur la figure de Jordi encore une fois. Et ça va pas la tête, tu te fous de moi ou quoi?